Big Brother is watching you, même sur les terrains de football. Dis donc, le football ne sera plus jamais comme avant. Installez-vous confortablement. Bienvenue chez la First Team, saison 1, épisode 7 du First Talk Football. On est là chaque vendredi. Mes coéquipiers viennent de terminer leurs talons aux fesses, montés de genoux. Ils sont bien chauds, prêts à en découdre. Et on a non pas un, mais deux invités aujourd'hui dans ce First Talk Football. Mehdi Maizi est avec nous, journaliste au KLM, le podcast No Fun également. On peut te retrouver où en quelques mots? Tu l'as quasiment dit, hein, donc sur OKLM Radio exactement avec l'émission La Sauce et sur le podcast No Fun sur SoundCloud, iTunes. Bienvenue, grand Merci passionné beaucoup. De foot bien sûr, Mehdi Maizi, qui va pouvoir vous montrer tout ça aujourd'hui. Également invité aujourd'hui, Jawad El Hajri, ancien international marocain, meilleur buteur du championnat national. De multiples reprises, même de l'histoire du championnat. Non, j'en fais un petit peu trop, Jawad, ouais. Peut-être. Et c'est également le fondateur de Techball. Techball, c'est une table un peu spéciale, on va en parler dans un instant, car mes coéquipiers, mes fidèles coéquipiers sont également là. Emmanuel Moine, du côté droit, la team Costard, vous le voyez ici, ça va. Exactement, ouais, je suis super content de côté de Jawad. T'as des nouvelles de Grégory Till d'ailleurs ou pas? Ouais, toujours. C'est qu'à Boulogne, c'est des légendes. Mais vraiment, Boulogne-sur-Mer, c'est des légendes. À Boulogne-sur-Mer, c'est des légendes. Et à Boulogne-Billancourt aussi, mais dans les restos. Et la team Polo avec Thomas Dufan. Ouais. Tout va bien, de retour de Pattaya. Ouais, de retour de Pattaya, je suis prêt à parler arbitrage aujourd'hui, je suis très chaud. Il est chaud, il est chaud. Alors, j'en parlais de Techball juste un instant, là, le fondateur est là, Jawad El Hajri. Il a créé un nouveau sport. D'ailleurs, il y a une fédération qui vient d'être créée cette semaine. On voit cette vidéo avec Ronaldinho ambassadeur. Alors, c'est quoi le Techball, là? C'est quoi cette table? Dis-nous en quelques mots. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Techball, en fait, c'est un concept qui inclut et l'équipement sportif et un nouveau sport qu'on veut voir devenir olympique à terme. Et sport donc, olympique, carrément. Bah, pour le coup, oui. Et puis, le timing est parfait puisque la fédération chaud, internationale a été créée justement hier. Donc, c'est la première pierre. Justement, dans ce projet. Il va y avoir des fédérations dans chaque pays. Ça commence à se développer là, depuis 2017. Donc. Exactement. Donc là, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit, mais il y aura une fédération en France, des clubs, une ligue et… Et Ronaldinho. Moi, j'ai une question, parce que là, on vient de voir Ronaldinho. Moi, j'aime le foot, j'ai un peu joué au foot et tout. J'ai rien à voir avec Ronaldinho techniquement. Quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est difficile à jouer. En soirée, ils rivalisent par contre. Ouais, méfie-toi quand même. Il est chaud, notre ami Ronaldinho. Mais tu vois, quand on voit l'échange là, je me dis que c'est difficile pour des novices. Alors, en fait, quand on va avoir une certaine aisance technique, ça, on va apprécier le jeu plus rapidement. Mais la table, elle n'a pas été incurvée comme ça juste au hasard. Elle a été faite pour créer de la répétition. Et donc, c'est le premier sport en quelque sorte qu'on va pouvoir maîtriser en un mois et demi maximum. Et pour étayer mes dires, on a une vidéo qu'on a mise sur YouTube. On a pris quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le football. Et entre le discours du début où, écoutez, j'ai pas envie de me taper la honte, et un mois plus tard, c'est-à-dire 15 séances plus tard, c'est ramenez-moi n'importe quel joueur de foot pro et je le démonte. Okay. Donc, est-ce que la piscine est fournie avec la table ou pas? Écoute, on peut te l'ajouter au devis si tu veux. Voir ce que ça donne. Et juste un mot, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'on pouvait faire d'autres sports avec cette table, ça veut dire quoi? Exactement, c'est ce que je disais, le concept Techball, c'est le sport tel que je vous l'ai décrit, et surtout cet équipement sportif qu'on espère voir remplacer toutes les tables en béton qu'on a pu connaître. Enfin, moi, je viens d'une cité à Nanterre où on avait ça et on se cassait le nez dessus. Là, pour le coup, on a un équipement sur lequel on peut travailler, on peut pratiquer 5 sports. Donc il y a le Tech Ball qui est la version foot, le Tech Pong, la version ping-pong, le Tech Tennis qui est une version tennis de plage, effectivement, le Tech Volley qui permet de jouer au volleyball à deux. J'aurais des supports rebonds, sur la table, tout simplement, okay. Des règles particulières, et le Catch Ball. Le Catch Ball, c'est un jeu qui se pratique à la main, surtout fait pour donner une pratique sportive aux enfants de plus jeune âge jusqu'au plus vieux. Bon, très bien, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Techball pour voir ça. Avec Jawad, plus d'infos dans les commentaires. Si vous voulez vous poser des questions, il y répondra. Au programme aujourd'hui de ce First Talk Foot, Atem Ben Arfa, génie ou gênant, ce sera dans la chronique Manu, tu descends, la célèbre chronique désormais de fin d'émission. Le sujet des internautes, vous avez voté sur le compte First Team Foot Twitter. Et bien sûr, un grand débat, ça va chauffer concernant l'arbitrage vidéo pour ou contre. Dites-le nous sur nos réseaux sociaux de la First Team, Facebook, Twitter, le mur des chiottes, ce que vous voulez, car vous êtes pour, vous êtes contre, ça divise la France tout simplement. Sortez les pop-corns, sortez les canettes, sortez tout ce que vous voulez, c'est l'heure des news. Van Basten, schitterend, schitterend, Marco Van Basten.
La news du week-end, c'est bien sûr la finale de la Coupe de la Ligue au Parc OL, diffusée et sur France 2 et sur Canal. Monaco, Paris Saint-Germain. Alors, très clairement, on commence avec cette grande finale, ce grand match de ce début d'avril. Avec une question pour toi, Manu. Comment ça va se passer pour Paris si jamais ils perdent? Dis-moi tout. Bah, ce serait le début de la catastrophe, Thibaut. Ce serait le début de la catastrophe parce que bah, déjà, Paris pourrait enchaîner avec une quatrième Coupe de la Ligue consécutive et qu'on a l'impression que de ce match pourrait découler le sort justement de la suite de la saison et donner peut-être un avantage psychologique à l'une des deux équipes. En tout cas, pour Paris, ce serait un petit peu plus compliqué. Juste une petite stat, il faut savoir que dans l'RQSI, Monaco est la seule équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain deux fois par deux buts d'écart. Donc, c'est peut-être l'équipe la plus à même à battre ce Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une info que je vous apporte, mais... Vous le savez, vu le début de cette saison. Mais on va voir en plus dans le tableau, cette saison, Paris a perdu lors du match aller fin août ou début septembre, 3 buts à 1 à Monaco au Stade Louis II, avant de faire un match nul difficilement à domicile, même s'ils ont eu la main sur le jeu au mois de janvier face à Monaco au Parc des Princes. Un nul, une défaite et Paris qui est donc à 3 points avec une différence de but inférieure au classement. Mehdi, toi, grand passionné de foot, plutôt côté Paris, on va le dire. Qu'est-ce que tu penses de ce match, de ce tournant peut-être de la fin de saison du Paris Saint-Germain? J'ai pas aimé le petit rire qu'il a fait quand il a dit plutôt Paris. Tu viens de perdre la moitié de tes followers sur Twitter. C'est pas grave. Non, évidemment, c'est compliqué. Par rapport à la Coupe de la Ligue, c'est marrant parce qu'à chaque année, Paris la gagne. Donc ça fait 3 saisons d'affilée. Et on se dit que la Coupe de la Ligue, tout le monde s'en fout. Mais clairement, si Paris ne la gagne pas cette année, ça ferait tâche en fait. Il y aurait vraiment un manque. Surtout quand on fera le bilan à la fin de l'année entre Unai Emery et Laurent Blanc, qui, mine de rien, avait un bilan qui était super honorable, au moins sur le papier. Donc voilà, effectivement, c'est compliqué. Je pense que c'est un match important pour Paris, vraiment. Et ce serait le début de la catastrophe si Paris ne gagnait pas, puisque en championnat, c'est compliqué, qu'en Ligue des Champions, on ne va pas revenir dessus. C'est assez compliqué. Je pense que Paris a vraiment besoin d'une victoire pour ne pas sombrer psychologiquement et pour aussi avoir un palmarès à la fin de l'année qui ressemble à quelque chose. Jawad, ce serait intenable pour Unai Emery de perdre déjà ce trophée qui appartient à Paris? Intenable, je ne sais pas, mais il est clair et net qu'en tant que supporter parisien, en plus, je le vis assez mal. Et du parisien aujourd'hui en plateau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont à revoir dans ce club aujourd'hui. Et je pense qu'il y a besoin de renouveler l'équipage en quelque sorte. Et à la tête de l'équipage ou sur le terrain? Attends, on va en parler. C'est la chaîne en gros qui découle. Mais il faut avoir un commandant à bord et un bon commandant pour que tu puisses avoir un gros club en quelque sorte comme Paris le prétend. Et pour le coup, je crois qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, depuis cette défaite qui en gros a révélé tous ses manques, je parle de la défaite à Barcelone évidemment. On va forcément se rendre à chaque nouvelle défaite, on va se rendre compte un peu plus des gros problèmes qu'il y a. Donc effectivement, pour finir, s'il n'y a pas de victoire ce week-end, ça risque d'être très très compliqué. Pour illustrer ton propos là, ton lancement de début de débat, on se rappellera que Bordeaux, il y a quelques saisons après leur fameux titre de champion de France et cette série d'invincibilité, elle s'était terminée sur une finale de Coupe de la Ligue et ça avait précipité le club dans une crise sportive sans précédent. Bon, alors on peut pas comparer le Bordeaux. Exactement, on peut pas comparer cette équipe-là forcément l'équipe du Paris Saint-Germain, mais c'est là où cette finale de coupe qui arrive assez tôt dans la saison peut avoir une grosse incidence en tout cas sur la suite. D'autant qu'on sait que Marquinhos, d'après les rumeurs, d'après les médias, aurait refusé de prolonger et ne veut plus discuter avec Patrick Kluivert. Patrick Kluivert serait sur la sellette d'après des infos auprès de Nasser El Khelaifi. On sait également que Cavani n'a toujours pas prolongé. Bref, à tous les étages au Paris Saint-Germain, Thomas, qu'est-ce que tu penses de ce qui semble un joyeux bordel? Moi, je suis un peu comme tout le monde aujourd'hui. On a tous l'impression que c'est le feu au PSG et que chaque défaite va précipiter soit un changement à bord au capital, donc tu parlais du commandant, exactement. Ça peut être Nasser qui peut sauter, aujourd'hui on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on arrive toujours à ce manquement, c'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus les Leonardo, il manque quelqu'un à la tête de ce club. Alors c'est sur les transferts peut-être c'est important, mais dans la direction globale et du club. Et c'est vrai que moi ma grande crainte c'est qu'on perde ce match-là. Si on gagne, tu repousses un peu l'échéance de quelque chose, peut-être jusqu'à l'été, il y a un peu. Mais si tu perds et en bus, Mbappé met un triplé. Imaginons un 3-0 au Stade de France, ça peut être catastrophique. Parfois, à Lyon. Excuse-moi. L'habitude. Je me voyais en Coupe de France déjà, PSG, rien à voir. Ouais, au Parc OL, bien sûr. Oui, ça peut être le feu très rapidement, clairement. J'ai un peu peur. Hein. Quand tu parles des absents, les Marquis, les Marco Verratti, les Ben Arfa dont on va parler plus tard, c'est le feu à tous les étages. Et vous focalisez beaucoup sur le PSG, les gars, concernant cette finale, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions du côté de Monaco. Monaco, qui, on le rappelle, sur le match retour, avait mis un gros pressing, un pressing très très haut, mais qui était très usant physiquement.
physiquement. Paris s'en était jamais sorti, hein, de tout le match. Il ouais, mais enfin, sauf si je dis pas de bêtises, s'il n'y a pas l'erreur en fin de. Verratti ne jouait pas. Oui, Verratti ne jouait pas. Et si tu n'as pas l'erreur en fin de match, grosso modo, Paris peut gagner ce, peut gagner ce match. Carrément, aussi. Carrément. Voilà. Donc, c'est aussi côté fraîcheur physique, côté Monaco, il va falloir voir dans quel état les joueurs vont arriver. Falcao d'une semaine internationale. Ah, complètement, ouais. Falcao vraiment, est incertain. Sidibé s'est blessé pendant la trêve internationale. Fabinho suspendu. En effet, Monaco arrive avec la confiance de cette saison remarquable, mais en même temps aussi quelques incertitudes. Mais rien à perdre quand même, Monaco. Monaco n'a rien à perdre, a tout à gagner en cette fin de saison. Justement, à moi de vous poser la question du prono pour cette finale de Coupe de la Ligue. Mehdi, qu'est-ce que tu je suis un horrible pronostiqueur. Moi, alors, c'est le moment de se lâcher. Non, je ne sais pas, je vais dire 2-1 pour Paris. Mais moi, j'espère qu'il va se passer, pour Monaco, ce qui s'est passé en 2004. Ils ont complètement craqué à la fin alors qu'ils ont caracolé en tête du classement pendant toute la saison. Je souhaite de tout mon cœur que Monaco craque. Sauf en Ligue des Champions ou tu fais partie des Français? Non, honnêtement, Ligue des Champions, moi, je suis toujours pour les clubs européens, même d'accord. Marseille, je vais être très clair, je suis pas dans cette haine-là, ouais, je suis toujours pour les clubs français, pardon, en Coupe européenne. Mais si en championnat, tu vois, ce serait mieux. Du côté de la team Polo, T-shirt, Thomas, le prono pour Monaco Paris. Au-delà du Ligue des pour Paris, j'ai envie de voir un beau match. Là, on sort quand même d'un mois de février, mars. Où on a vu beaucoup de grands moments de foot. Moi, j'espère, tu vois, un espèce de 2-2 avec des actions, que ça aille au péno, voilà, qu'on s'éclate plus que la victoire du PSG. Je viens de m'éclater samedi soir. Allez, deux scores du côté droit. Moi, j'irais 2-1 pour Paris. Moi, je vois Paris passer et Monaco craquer physiquement et entrer dans une période un peu plus compliquée en cette saison. Jawad. Pas de score, mais victoire parisienne. Victoire parisienne. Autre news de ces derniers jours, la trêve internationale. Le bilan des Bleus, une victoire face au Luxembourg en match de qualification pour le Mondial en Russie et une défaite en amical au Stade de France 2-0 face à l'Espagne. On reviendra tout à l'heure, promis, sur l'arbitrage vidéo. Mais d'abord, quel bilan de cette trêve internationale? 8 matchs depuis l'Euro, 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite pour l'équipe de France. Vous en pensez quoi de ce bilan aujourd'hui, fin mars? Une semaine à l'italienne, moi. J'aurais commencé comme ça, tu vois, avec une victoire, bon, sans trop forcer face au Luxembourg, qui a quand même montré quelques doutes derrière sur la ligne de 4 côté français. Et quelque part, un match amical sans intérêt sportif, si ce n'est tester quelques joueurs. Et on va dire qu'avec les matchs de compétition qu'on joue, quand on joue à l'italienne, donc forcément un petit peu différent. Moi, je ne suis pas forcément catastrophé par le match face à l'Espagne, même s'il y a eu il y a quelques inquiétudes. Si on arrive dans une période de la saison où c'est un peu compliqué pour les garçons d'enchaîner entre cette trêve et toi qui as joué au très haut niveau, ces matchs amicaux comme ça, mais pourtant prestigieux face à l'Espagne, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? C'est assez compliqué, en fait. Je vais faire allusion à un ami justement qui est sélectionneur aujourd'hui et que quand je lui posais la question de savoir le problème des matchs amicaux, il me disait, moi, je fais en sorte de choisir des équipes que je suis sûr de battre. Ah ouais? Pour parce la confiance. Exactement. Pour donner le nom. Quand tu... Non, pour le coup... Pour le coup de... Non, ça peut être Didier Deschamps. Non, ne cherchez pas de ce côté-là. Mais en gros, mon expérience, ça me fait dire que forcément, il faut se focaliser sur les matchs à enjeu. Les matchs à enjeu, ils ont gagné. Il y a eu certaines choses qui ont été... voilà, exactement. Il y a certaines choses aussi à corriger, l'aspect défensif, pas de problème là-dessus. Mais tu as pris tes 3 points et tu es toujours leader pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'il faut regarder. Après le match de gala qu'il y a eu, effectivement, bon, on reviendra tout à l'heure sur les faits, mais voilà, tu le perds, mais tu peux construire d'autres choses. Et on le voit, la France est première de son groupe devant la Suède, la Bulgarie et les Pays-Bas. Donc la France est bien partie pour nous emmener en Russie en 2018. Autre news de la semaine, la Serie A. Le titre se joue ce week-end. Naples-Juventus dans l'enfer de Sampaoli. La Juve va devoir prendre des points pour être quasiment sûre à 8 journées de la fin ensuite d'être championne. La Juve se déplace donc à Naples avec de la confiance, avec de nombreux titres derrière elle. Qu'est-ce que vous pensez de ce choc de Serie A Naples-Juventus, Thomas? Moi déjà, je vais pour une des rares fois de la saison, je serai devant ma télé pour regarder ce choc. Parce que là, on rentre dans ces moments… Une des rares fois de la saison pour un match de Serie A. De Serie A, bien sûr, ouais. Il bosse pas, le mec, qui regarde. Je regarde que du golf et du tennis. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Non, mais évidemment, je serai devant parce que c'est ces grands moments de championnat qu'on a envie de voir. Moi, j'ai du mal à me dire… En fait, j'espère voir un grand match. C'est toujours pareil, tu vois, aujourd'hui, on est fan de foot. Et donc, j'ai envie de voir, pourquoi pas Naples aller faire
faire cet exploit, aller gagner et me dire que le championnat sera complètement relancé. Tu Naples, une équipe qui est devenue désormais une équipe hyper offensive, ouais, avec Maurizio Sarri, l'entraîneur italien qui a entraîné dans toutes les divisions, qui a grimpé jusqu'au toit de la Serie A. Puisqu'il a normalement, Quelle est cette photo ? C'est interdit, ça. Il a été élu cette semaine meilleur entraîneur de Serie A devant Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juve, qui devrait pourtant être champion. Donc c'est très rare qu'un entraîneur sans titre au cœur d'une saison soit désigné meilleur entraîneur de Serie A. C'est normal, parce que Naples, c'est la meilleure attaque du championnat de Serie A. 68 buts inscrits, je crois, cette saison. Allegri, c'est la meilleure défense. C'est là, d'ailleurs, que cette opposition va vraiment être très, très intéressante. Cette équipe de Naples produit du jeu. C'est vraiment, vraiment une équipe qui fait plaisir à regarder. Vous l'avez sans doute vu en Ligue des Champions contre le Real. Et après, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'il y a eu un match aller. Alors, les équipes s'affrontent donc cette semaine en championnat. Il va y avoir le retour de Coupe d'Italie aussi, qui a été gagné il y a quelques semaines par la Juve, 3 buts à 1. Et ça va vraiment être très, très intéressant de voir ces deux équipes, surtout que Naples ne doit pas perdre, sous peine de laisser partir la Roma et aussi de voir la Lazio revenir. Classement, d'ailleurs, voilà. 8 points d'avance sur la Roma, 10 points d'avance sur Naples. Donc Naples pourrait revenir à 7 points. À 8 journées de la fin, ce ne sera pas simple de revenir sur la Juve, mais pourtant, ça laissera encore un peu de suspense. Mehdi, qu'est-ce que tu penses de cette Serie A, de ce choc de ce week-end? Historiquement, moi, je suis plutôt un supporter de la Juve. Pourquoi? Parce qu'il y a un mec avec le numéro 21 à un moment là-bas et que je suis un horrible cliché. Mais sur cette saison, en tout cas, c'est vrai que pendant longtemps, le Calcio, on a souvent eu une image un peu austère de ce championnat-là, avec des matchs ennuyeux, extrêmement défensifs. Et je trouve ça bien que Naples soit en train de dynamiter un petit peu tout ça. Donc, pour le football, ce serait bien qu'effectivement Naples vienne au moins remettre un peu de suspense et donc remporte ce match-là, qu'on s'amuse un petit peu jusqu'à la fin de la saison et que les équipes qui produisent du jeu soient aussi récompensées. Enfin, après, jouer défensif et avoir une bonne défense, c'est super important. Il y a des Coupes du Monde qui sont gagnées là-dessus. Mais voilà, c'est aussi important de saluer une équipe comme celle-ci et le boulot qui est fait. Justement, Jawad, tu penses que le Naples hyper offensif séduisant de cette saison peut être récompensé là, lors de ce match ce week-end, où ça va être compliqué? La Juve, on sait que c'est très, très, très solide. Ouais, je l'espère en tant qu'amoureux du football, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Calcio a abandonné pas mal de suiveurs en quelque sorte, parce que les matchs devenaient ternes. Mmh. Et là, pour le coup, tu as une équipe qui est en train de dynamiter. Moi, j'ai beaucoup aimé les 20 premières minutes contre le Real en Ligue des Champions, où ils y allaient, et pourtant c'était le Real en face. Donc non, moi je serais plutôt fervent admirateur de ce genre de... À suivre. C'est dur quand même avec la Juve, parce qu'on se rappelle d'un Bayern-Juve-Bayern l'an dernier qui avait été assez spectaculaire. Donc c'est une équipe qui peut aussi proposer du jeu et ouais, du spectacle. Quart de finale, oui, quart de finale. Et il faut voir aussi toute la... Ils sont plus pragmatiques. Tout l'historique qu'il y avait derrière. Là, tu joues un... Quelque part, on est à la période, et c'est le cas aussi pour Paris ici et Monaco, la période où tout se décide. En gros, si la Juve tape Naples, c'est fini. Alors que si Naples gagne, ça relance et la Roma et Naples. Donc du coup... La Juve étant encore en compétition européenne, donc voilà, c'est... Ouais. Naples-Juventus, donc à suivre ce week-end, le choc de Serie A. Vous nous direz aussi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux de la First Team. Deux autres news pour terminer, plus légères, deux autres news très sympathiques qui nous ont fait sourire. Et vous aussi sur les réseaux sociaux, l'aéroport de Madère, l'île natale de Cristiano Ronaldo, porte désormais son nom. On a hâte d'y aller en avion et de voir ça, si ce n'est pas la classe. D'autant que Cristiano a obtenu son bronze devant l'aéroport. On va voir la photo. Et un bronze. Mais qu'il est magnifique, ce bronze, le mec. Enfin, oui, comment oui. Comme comment c'est possible? Comment il a accepté ça? Bon, il devait bouillir à l'intérieur. Et regardez, donc forcément, énormément de commentaires mercredi sur les réseaux sociaux. Et ça, oui, c'était avant la chirurgie. Ah, ils sont moqueurs, les internautes, mais on adore ça. Vous avez un mot à dire sur ce bronze? Moi, je comprends pas que... Enfin, c'est genre... C'est un héros. Voilà. Je comprends pas qu'on puisse se louper autant sur genre le mec le plus important du pays, tu vois. Genre, c'est n'importe quoi. Donc, c'est assez surprenant. Au début, moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une blague ou genre un musée un peu marrant qui faisait ça. Tu vois, pas un vrai truc, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est assez tragique. Autre news, beaucoup moins tragique, elle fait plaisir. Il n'y a pas que les Barcelonais qui font l'amour après un grand succès, après une grande victoire. Il y a aussi les Islandais, les Islandaises. Bravo à eux. La preuve, baby boom annoncé suite à la victoire face à l'Angleterre à l'Euro 2016. Vous faites l'amour, vous, en plateau, après une bonne victoire, après une bonne nouvelle? Dites-nous tout. Là, vous, en plateau, c'est vous, je m'adresse à vous. Thomas, d'ailleurs, toi, non, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à Thomas. Mais a-t-on besoin... Après une bonne nouvelle, après une belle victoire en basket, par exemple... Mais a-t-on besoin d'une bonne nouvelle pour faire l'amour? Thibaut, c'est ça la question. Ouais. L'amour tout au long de l'année, ça va bien se passer. Ce sera le prochain débat du First Talk. Je ne fais pas l'amour. Tu es asexué. Moi, j'ai 3 enfants. Et Jawad a 3 enfants. Tout va bien sur ce plateau. Dites-nous tout aussi si après une belle victoire, il vous arrive
de faire des cochonneries. Bref, le sondage, le focus des internautes, le sujet des internautes, c'est maintenant. Vous aviez le choix entre la reconquête du Brésil qualifié pour le mondial, Sénégal-Côte d'Ivoire ou la réussite insolente d'Antonio Conte à la tête de Chelsea. Allez. Et les amis, on a été surpris, ça a été hyper serré dans vos votes sur le compte Twitter de la First Team. C'est finalement Antonio Conte qui est leader d'une courte tête, leader aussi de Premier League avec Chelsea. Donc on va commencer par Antonio Conte avant d'aborder rapidement les deux autres sujets, parce qu'on a vu que ça allait, ça vous faisait plaisir. 10 points d'avance sur Tottenham, Chelsea leader, 12 points d'avance sur City. Antonio Conte, c'est l'Italien le plus bankable du moment. La presse anglaise ne parle que de ça cette semaine. Que de quoi ? C'est l'homme au ratio de victoire le plus fort depuis l'histoire de la Première Ligue. Regardez, sur une saison, hein, on parle 79% de victoires devant Sir Alex Ferguson et uniquement de grands entraîneurs derrière. Alors, pardon, tous les chiffres sont sur une saison ? Sur une saison, ouais, sur une saison. On remarque que c'est, toutes ces saisons-là sont très récentes. Tu vois, c'est tout à fait 10 ans. Non, Ferguson. Mais Ferguson, c'est quand sa saison ? C'est pas il y a si longtemps que ça. Hein. C'était il y a plus de 10 ans, là. Bon, peut-être, en tout cas, tous les autres sur les seuils, c'est que des entraînements, des entraîneurs récents. Mais ouais, faut tempérer quand même, parce qu'il n'y a pas les compétitions européennes que les autres coachs. Ça fait partie du jeu. Donc, tu veux pas lui enlever quand même non, sa saison extraordinaire. Mais j'ai des espions infiltrés dans le en tant que joueur. Donc, alors, vas-y, dis-nous alors. Moi, je balance les noms. J'ai le droit. Arrête. J'ai le droit. Il joue dans les Simpsons. Il est dans les Simpsons. Ah, je parle plus alors. Mais non, mais Antonio. Non, mais en plus, c'est pour dire du bien. Antonio Conte, c'est géant. Ce exactement. Ben, justement, on en a parlé lors de sa venue la semaine dernière à Paris. Et je lui ai demandé un peu comment il était comme type de manager. Il me dit écoute, il est stressé tout le temps. Et c'est nous, les joueurs, qui lui disons, profite. Et lui, il est vraiment dans la rigueur. Bon, en plus, il m'a expliqué qu'il vivait seul à Londres, donc il a cette pression en plus de ne pas apprécier à sa juste valeur le travail qui est fait. Et il est derrière eux. Il sait leur donner certaines libertés, mais il est derrière eux comme s'ils étaient derniers du championnat. Jawad, ils avaient besoin de ça, Chelsea. Parce que les mecs, j'ai entendu une interview récemment de Hazard qui explique qu'il nous a remis au travail. C'est quand même hallucinant. Ben, écoute, pour le coup, c'est un club comme Chelsea. Je ferai le lien avec Paris, où je dirais que... Voilà, il manque d'un Conte. Il manque un Conte. Exactement. Et Conte a su changer les choses parce qu'au début de saison, ça n'allait pas forcément très très bien. Ils sont passés avec un 3-4-3 à la Antonio Conte. 13 victoires d'affilée, phénoménal. Ce qu'il a fait, ça vous a quand même surpris. C'est ahurissant, non ? Aussi rapidement que ça. C'est la grande question en fait, qu'on se posait quand il est arrivé. On savait que c'était un grand coach. Ouais, personne n'allait remettre ça en cause. Mais est-ce que sa recette avait marché en Première Ligue et très rapidement. On l'a vu que directement, tactiquement, ce qu'il proposait, eh ben, personne ne le faisait finalement dans ce championnat. Il y a même José Mourinho qui est dans le championnat, il ne propose pas la même chose. Donc moi, quand je vois ça, et quand, tactiquement, plus je relance des mecs comme Eden Hazard et j'arrive à aller gagner un championnat qui est censé être le plus difficile sur la planète, je me dis que là, on a peut-être le meilleur coach en ce moment dans le football. Ah, c'est pas faux. Il s'est adapté à l'Angleterre quelque part. Aussi. Quand tu regardes avec son 3-4-3 qui bloque médian, bouge bien justement cet axe, évite qu'on saute les lignes, évite tout duel aussi aérien, oblige l'équipe adverse à passer sur les côtés. Et tu sais que la force de Chelsea aujourd'hui, c'est aussi les côtés. À la différence, parce qu'on a eu la même discussion sur Guardiola il y a quelques semaines, très clairement, son 3-4-3, il est aussi fait pour l'Angleterre. Et ça, c'est intéressant. Et au-delà de ça, c'est surtout le management. À ce niveau de joueur, c'est surtout le management. Et quand tu as un mec qui arrive à tirer des stars qui gagnent je ne sais pas combien par mois, tous dans le même sens, c'est là où tu peux dire lui, effectivement, il est... En plus de ses idées tactiques. Au bout du rouleau avant. Exactement. C'est important, c'est le changement. Le management, à ce niveau-là, c'est le management. David Luiz qui arrivait au bout, il était énervé au Paris Saint-Germain, il était critiqué. À l'arrivée, il va être champion d'Angleterre. Et il est parmi les meilleurs défenseurs de Première Ligue. Tu as un joueur qui est symptomatique, c'est Moses. Moses, qui n'a pas fait un parcours extraordinaire jusqu'à cette saison et qui explose littéralement sous le système. C'est un foot aussi, Conte, comme évidemment la plupart des entraîneurs, mais. Je crois qu'j'ai vu des propos rapportés de lui. Il disait, on me demande combien de temps je passe sur le foot dans une journée. Il y a 24 heures par jour, je dors 5 heures. Vous faites le calcul, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, sa vie, c'est que du foot. Et je respecte ça, je respecte cette passion-là, le fait qu'il étudie vraiment ça et que ça a des résultats. Donc, c'est un vrai
énorme bosseur. Après, il va un peu trop loin. Avec Aaron, on était à Londres, il mangeait à côté de nous dans un restaurant. Il lui a serré la main, il m'a dit 3-4-3. Je me dis, il était un peu fou, ce garçon, il faut qu'il se calme. Mais tiens, c'est une bonne question. Toi Jawad, qui a des contacts au sein du club, est-ce que. Non, mais. Qui sait à peu près ce qui se passe, avec au moins avec un contact. Est-ce que tu penses que cette rigueur pourrait, on va dire, un petit peu pousser certains à partir? On sait que certains grands noms de Chelsea sont convoités en Europe. Est-ce que tu penses que ça pourrait les pousser à partir? C'est trop de rigueur. Pas trop de rigueur, parce que tu peux donner aux joueurs de football de la rigueur et de la rigueur, mais comme il n'en a jamais vu, tant qu'il a les résultats. Moi, tu fais de moi le meilleur buteur et tu me fais entraîner 10 heures par jour, je m'en fous. Ouais, tant que tu as les résultats. Parce que j'ai les résultats. Ça ne peut pas tenir qu'une seule année ou deux années quand il y a trop de rigueur. C'est, tu vois, après, bien ça, on se dit tout souvent ça. C'est là où justement le management et les compétences de manager de l'entraîneur vont faire la différence. Là, pour tout vous dire, on parlait de joueurs qui vont partir. Moi, je sais que sur la ligne des trois devant, et il faut qu'il y en ait un qui parte. Pour le bien de l'équipe. Oula. Et ça, tu vois, c'est du management qui est... Qui a couché avec qui? Les tabloïds vont s'encharger. Le sujet des internautes, vous l'avez choisi, c'était Antonio Conte, mais à égalité quasiment, c'était touche-tous. Il y avait la qualification de la Selecao, le Brésil premier qualifié pour la Coupe du Monde en Russie, 3-0, victoire cette semaine face au Paraguay, et un Neymar record, 8e victoire d'affilée en poule, c'est un record pour le Brésil. Neymar met son 52e but en 77 sélections. C'est tout simplement la même chose que Pelé à l'âge de 25 ans, Neymar à 25 ans. Pelé s'était ensuite arrêté à 77 buts. Neymar, on peut l'espérer pour lui, pourrait le rattraper, le dépasser, c'est fou. Infographie signée Foot Mercato. Alors, dites-nous sur ce que fait Neymar en ce moment, sur ce que fait Tite, qui a ramené le Brésil à un niveau pas connu depuis longtemps, ce que ça veut dire. Alors justement, tu parlais de Neymar, il y a un parallèle avec le basket, je ne suis pas un grand fan de NBA, donc je vais peut-être sans doute dire des bêtises, mais Tite, quand il prend ses fonctions en juin dernier à la place de Dunga, il prend tous ses joueurs offensifs de côté et il leur montre le jeu défensif de LeBron James. LeBron James, pardon. Effectivement. Je t'avais promis, je t'avais dit. C'est pas mon sport, en gros. C'est même au consultant basket. C'est pas mon sport. Mais, et il leur a montré le travail défensif sur la dernière finale NBA. Et Neymar a dit que ça avait changé beaucoup de choses parce que c'était pas dans la culture, entre guillemets, brésilienne. Exactement. Pour des joueurs offensifs. La star qui se met au service du collectif. Mm-hmm. Et c'est ce qui a réussi à changer Tite. Et la star, Neymar, qui avait raté un pénalty face au Paraguay, qui marque un but ensuite d'anthologie en partant de 80 mètres du but adverse. Ce Brésil, là, vous le sentez, ça y est, on ne va pas trop en faire, mais ça y est, c'est un des candidats au titre en Russie. Vas-y, on me dit. Non, mais vas-y. Okay. Non, vas-y, Médine. Non, mais oui. Mais je pense que par rapport à il y a 4 ans, on les voyait déjà comme des favoris, surtout chez eux. Il y a 3 ans maintenant, mais bref, 4 ans après. Là, je pense qu'ils ont tous pris du gabarit, qu'ils ont tous pris de l'expérience. Neymar, il a un niveau incroyable, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça faisait quand même longtemps. Quand il arrivait à Barcelone, on se disait, je me souviens, est-ce qu'il peut jouer en Europe? Évidemment que oui, mais il a vraiment progressé, il a pris physiquement, il a énormément travaillé. Donc, il n'y a pas que Neymar, évidemment, en cette équipe. Donc, oui, moi, je pense que c'est évidemment un candidat pour le titre final. Et Thomas, le fait que Neymar arrive à supporter une telle pression mondiale et toujours à marquer, toujours à soulever des montagnes, c'est ça. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que souvent, on l'a parlé la semaine dernière, des leaders d'équipe nationale qui arrive à maturité. Là, il arrive à 25 ans, il est clairement à maturité. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé, ce mec-là, quand il était à Santos, on savait que c'était un grand talent. On le sentait, mais il y en avait plein à côté de lui. Il y avait, Lucas Moura, qui était dans le truc, même génération et machin, c'est pas le même niveau. Il y a eu des Ganso. Et tout ça. Ce qui était dingue, c'est qu'il a toujours répondu à la pression. On se souvient de la Coupe des Confédérations, juste avant la Coupe du Monde au Brésil. Il avait été incroyable, et c'était que la Coupe des Confédérations, mais c'était important. La Coupe du Monde, pareil. Après, il se blesse, mais il porte l'équipe aussi. Exactement. Et puis, au Barça, je crois qu'au contact des très grands joueurs, donc comme Messi, tu vois, il a réussi à progresser et à se forger un mental mais extraordinaire. Mais on aurait tort de focaliser que sur Neymar, parce qu'il y a aussi d'autres talents. Oui, bien sûr, mais il y a d'autres talents aussi qui font. Je pense que ce Brésil-là est moins dépendant à Neymar. Il y a Coutinho, tu as aussi le jeune qui est blessé, Gabriel Jesus, qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins cette pénurie qu'on avait vue en 2014, où tu sais, tu avais quand même Fred qui commence la Coupe du Monde en bas à point de l'attaque. Ouais, et les 77 buts Pelé, Neymar est à 25 longueurs, à 52 buts. Il a que 25 ans, Jawad, toi qui es buteur, tu le sens comment là? Il va aller chercher. Forcément, mais on ne peut pas comparer dans le sens où Pelé devait jouer quand même deux fois moins de matchs que Neymar. Mais après, il y avait deux fois plus de buts aussi dans les matchs. Ça compense un peu, c'est sûr. Non, mais bien sûr qu'il va aller le chercher. Et puis, moi, je suis assez admiratif parce que
je suis persuadé que ce genre de joueur, justement, pour pouvoir l'exploiter à 100%, il faut que ça soit tout autour de lui. Et pour moi, un grand joueur, ce n'est pas un mec qui fait des différences tout seul, c'est un mec qui rend les autres bons. Et là, c'est justement, quand on parlait de maturité, c'est justement ce que Neymar arrive à faire. Il a réussi à comprendre avec l'exemple de LeBron que voilà, lui aussi, il fallait qu'il se mette à bosser pour donner aux autres envie de bosser, et en tout cas lui donner des ballons. Puis là, ben, maintenant, on voit ce que ça donne avec le Brésil. Autre sujet des internautes, mais là, on le fait très rapidement parce que vous l'avez plébiscité également. Sénégal-Côte d'Ivoire, le match amical a eu lieu à Charletti cette semaine et ça a été arrêté à la 87e minute. C'était pour vous montrer une photo assez lunaire qui a été diffusée sur les réseaux sociaux par Paul Rouget. Envahissement de terrain, un supporter repart avec le panneau du quatrième arbitre. Bon, voilà, la scène, elle nous fait sourire, mais bien sûr, c'est nul parce que dans un salon, ça n'a pas sa place. Non, mais dimanche, on fait pas long là-dessus, mais juste Manu a des infos là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, bah, les infos, c'est que c'est très compliqué ce qui s'est passé. Ces organisateurs, tout à fait. Et en fait, il y a des. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il y a des agents de match comme il existe des agents de joueurs. Et ces agents de match sont chargés d'organiser ces matchs amicaux, notamment des équipes africaines. Et que là, très clairement, le choix de Charletti, j'imagine qu'il ne devait pas être très très cher ce stade, mais malheureusement, il est ouvert de partout. Je crois que Jawad, tu as joué là-bas avec le PFC. Ouais, exactement. Donc c'est très compliqué à sécuriser. Et en plus, il manquait d'agents de sécurité sur ce match pour forcément faire augmenter un peu les gains. Pas forcément il manquait, c'est surtout que les agents qui étaient en charge de ce truc ont décidé de budgétiser un peu moins, pour s'en mettre un peu plus dans les poches. Mais enfin, ça en arrive à cet extrême-là, mais je l'ai vu sur plein d'autres matchs et ça concerne à chaque fois les équipes africaines, c'est ça qui est dommage. Attends, parce que là il y a un mec qui part avec le quatrième. C'est grave. Ça aurait pu être dramatique. Imaginez quelqu'un qui rentre avec une arme ou un truc comme ça. Exactement. C'est ça qui est dramatique. Surtout en ce moment, et il faudrait voir l'image où les joueurs rentrent au vestiaire, qui est assez impressionnante en courant comme ça. C'est assez impressionnant. À mon avis, malheureusement, la FIFA va être obligée de se saisir du dossier. Il va y avoir forcément des sanctions. Alors, qui tu sanctionnes là dans ces cas-là? Est-ce que tu sanctionnes le pays qui accueille? Est-ce que tu sanctionnes l'agent de match? Ou est-ce que tu sanctionnes les deux? Je ne sais pas. Il devrait faire une charte pour ce genre de match. Si vous n'avez pas tel critère, vous n'organisez pas, point final. Match annulé. Ouais, clairement. Exactement. Bon, la vidéo, on va en parler là, dans notre grand débat du jour. Moi, je suis pour, mais à condition de punir les arbitres qui simulent, les amis. Ben oui, les arbitres simulent au Brésil. Vous reconnaissez Luis Fabiano, l'ancien Rennais? Et il va sortir carton rouge à Luis Fabiano suite à cet attentat. Un attentat. Après, très belle simulation. Nous n'avons pas senti la laine du gars. Voilà l'image de la semaine, la simulation. Bref, Big Brother est dans le football, les amis. C'est comme ça, ça vient de démarrer avec France-Espagne. La vidéo va-t-elle sauver ou tuer le football? C'est le débat. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. J'y vais volontairement très fort, sauver ou tuer le football, car on a deux camps qui s'affrontent sur les réseaux sociaux, dans la vie, sur ce plateau aussi déjà, ils ont commencé l'émission, avant l'émission je peux vous le dire, l'arbitrage vidéo c'est hyper clivant, il y avait donc un van pour France-Espagne pour tester ce dispositif grandeur nature, un van avec deux personnes en son sein, ce tweet de Grégoire Margoton nous montre la technologie Hawkeye qui fonctionne également dans le tennis pour l'auto-arbitrage et donc France-Espagne a été arbitrée avec la vidéo, avec les deux actions qu'on connaît, 47e minute, Antoine Griezmann qui marque et finalement c'est annulé, et 76e minute, le deuxième but espagnol, magnifique collectivement, mais une hésitation de l'arbitre hors-jeu, pas hors-jeu, et du coup, peut-être que la joie des Espagnols n'a pas été la même, il a fallu attendre la décision de l'arbitre. Alors d'abord, ce France-Espagne, une défaite à la loyale, du coup, il n'y a pas eu 1-1 avec des erreurs d'arbitrage, mais 2-0. Et c'était mérité, Thomas, dans le sens, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi, moi, je suis clairement pour l'arbitrage vidéo, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, technologiquement, on peut le faire. Bien la preuve avec ce match France-Espagne, c'est qu'on peut le faire. Ça coûte un bras. Mais on parle de football. Moi, je te dis que dans le foot, il y a un peu d'argent et je suis persuadé qu'on peut le faire sur les grandes compétitions, en tout cas. Aujourd'hui, si on peut réduire au maximum les erreurs d'arbitrage, c'est-à-dire celles sur lesquelles on peut avoir une influence, c'est-à-dire le mec qui lève son drapeau, il se trompe, ça peut arriver, mais tu as quand même un backup, tu as un mec derrière qui est dans son truc qui dit hey, les gars, il y a eu hors-jeu. Prenons le fait de ce truc-là, et donc il n'y a pas but. Là, c'était le meilleur exemple possible, c'est France-Espagne, puisque les deux situations qui étaient claires après avoir visionné les images ont été annulées pratiquement immédiatement, et ça n'a pas faussé le match, vu qu'il y avait une erreur d'arbitrage justice, à la base. Justice, non, mais, un point pour la justice dans le football. Comment tu fais là, par exemple, excuse-moi. Non, vas-y. Comment tu fais, par exemple, sur le but des Espagnols, qu'ils refusent
au début. Supposons que ça se joue vite, il y a contre-attaque, que la France marque derrière. Mais ça c'est comment, comment ça se passe? Mais comment ça se passe? Tu annules le but, tu reviens. Et comment tu fais si ça vient d'une phase de jeu encore antérieure qui ne sera pas jugée à la vidéo, contrairement au rugby? Il y a quatre scènes possibles pour que la vidéo entre en jeu. Il y a le pénalty, la faute dans la surface, un carton jaune qui ne serait pas le fait d'un joueur mais d'un autre, carton rouge de la même façon, et le quatrième, je l'ai oublié. C'est leur jeu. Attends, il y a un truc commun à ces quatre trucs. C'est que l'arbitre doit siffler, il doit, y a un arrêt de jeu. Ah, voilà, donc là, l'exemple de il y a une contre-attaque, ça marche pas. On peut pas, vu qu'il y a un arrêt de jeu. Mais si t'as un fait de jeu. Sur un pénalty, pardon. Si t'as un fait de jeu antérieur, on va dire, à la dernière passe, du coup, par rapport à ce que disait Thibaut, quoi que ce soit, et qu'il y a une faute qui n'est pas vue par l'arbitre à ce moment-là, tu peux avoir la vidéo, ça changera rien. Et moi, à l'inverse de la justice, tu vois, je prône l'injustice, justement. Parce que pour moi. Non, mais tu vois, le fils de François Fillon. Les erreurs. C'est le costume qui fait ça, les gars, le désolé. Moi, je pense, et c'est vraiment mon argument personnel, je pense que les erreurs d'arbitrage, les erreurs humaines font le charme du football, font la légende du football, les belles histoires du football. Alors quand tu as été joueur comme Jawad et que, par exemple, tu as vécu l'injustice, et bah, peut-être qu'en effet, tu as envie d'avoir cette vidéo-là. Mais moi, en tant que pur spectateur amoureux du football, je n'ai pas envie de vidéo. Manu, j'ai l'impression que j'ai deux Normands à côté de moi. T'es pour ou t'es contre? Non, je suis pour la vidéo. Ah, et, en fait, côté pour, par là. J'ai pas été joueur, donc effectivement, je n'ai pas cet avis-là. Je suis un spectateur comme toi, même si j'ai joué au foot à mon modeste niveau. Il n'y a pas la vidéo, clairement. En fait, je comprends cet argument-là, le romantisme du football, etc. Clairement. L'émotion. L'émotion. Mais je veux dire, l'émotion, à la fin du match, si tu gagnes une finale de Ligue des Champions, t'es ému et t'es content, même si le jeu il a été arrêté une fois ou deux fois pendant le match. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu tellement de matchs où on est ressorti frustré, aussi bien nous en tant que supporters qu'en tant que spectateurs, ou juste parce que ça… Barcelone-PSG par exemple. Je parle même des matchs où moi, je ne supporte aucune équipe, juste en tant que pur spectateur, je me dis… J'ai pas envie que cette équipe-là, elle soit lésée parce qu'il y a un but qui est rentré ou parce qu'il y a un pénalty qui a été sifflé alors qu'il n'y avait pas pénalty. Donc effectivement, je suis comme Thomas, mon acolyte au polo. Je pense que… je pense que… Évidemment que la justice doit être privilégiée. Évidemment pour moi, avant le romantisme, avant l'émotion, avant tout ça, pour moi, un arrêt de jeu, c'est pas dramatique. Si au final, il y a un but qui permet d'être sauvé ou au contraire… Les efforts des joueurs doivent être récompensés. Je vous dis honnêtement, je suis pour parce que les avancées technologiques, je suis pour depuis le début. Les téléphones, bien sûr, on est assisté, on est dans une société d'assistés, on a les GPS, on a tout. Les arbitres ne doivent pas être les seuls au monde à ne pas voir une faute ou un carton rouge. Maintenant, ceux qui étaient au Stade de France mardi, ils ont connu la défaite, il y a un peu de mauvaise foi peut-être, mais ils estiment qu'au niveau de l'émotion, le vécu, un but, on sait que c'est fort en tribune. Et Manu, alors là-dessus, je te passe la balle. Peut-être que ça change un petit peu les choses. Complètement. Pour revenir à ce que tu disais, ils l'ont mal vécu les supporters parce que le but n'a pas été diffusé dans le stade aussi. Donc il y a peut-être de l'amélioration à apporter, détail. Les 45 secondes d'attente pour avoir la décision. Mais c'est énorme, dans le football, mon gars. Attends. Parce que tu es un fan de NBA et que le jeu est tout le temps assuré. Peut-être. Nous, ce qu'on aime dans le football, c'est justement que le jeu ne soit pas assuré. 45 secondes, c'est énorme. Et résultat, tu as très peu de joie sur le but. Et encore, là, on était dans un cas de figure où l'arbitre vidéo avait la confiance de l'arbitre central. Admettons qu'ils ne soient pas d'accord tous les deux, c'est ce qu'il doit faire l'arbitre central, passer l'autre côté du panneau publicitaire, regarder lui-même l'action et juger et donner son aval, avoir le dernier mot. Non, tu vois pas, tu vas dans un extrême. Moi, tu vois. Non, mais t'imagines un petit peu. La grande différence avec tous les sports US, le tennis, ces trucs-là, ou la vidéo, ou même le rugby, où la vidéo est déjà. Tout le monde utilise la vidéo. Le foot, c'est que c'est un sport en continu. On est toujours en train de jouer, C'est 2 fois 45 et ça ne doit pas s'arrêter. Moi, je suis d'accord. Maintenant, je trouve que quand il y a une équipe qui est lésée, tu vois, je préfère perdre 45 secondes et dire il y a but, il n'y a pas but, parce que c'est quand même un événement hyper marquant. Quand il y a 1-0, c'est la 91e, je préfère perdre 45 secondes plutôt que finalement te faire avoir ou gagner d'ailleurs, tu vois, sur une erreur. C'est froid. Mais c'est fait partie du truc. Tu dis ça aussi effectivement parce que c'est le début. Donc effectivement là les choses sont en train de se mettre en place, etc. Donc peut-être que demain ce sera pas 45 secondes, peut-être que ce sera beaucoup plus rapide. Pour moi c'est une question de fond. C'est comme, c'est une question presque de principe. Et après je comprends qu'on puisse être contre. Il y a des arguments pour être contre, mais pour moi c'est les 45 secondes ou les mêmes 2 minutes. Ça ne doit pas rentrer en compte dans le fait que c'est bien ou que c'est pas bien. Après, ça peut léser l'émotion, je le comprends, mais au final, tu gagnes.
Et pour moi, c'est où tu perds. Mais pour moi, c'est ça le plus important. Voilà, pour moi, c'est ça qui, à mon avis, doit primer. Plus que la passion. Mais sur le match, l'avant, c'était quoi? Mardi. Mardi. Donc, il y a eu deux fois. Il y a eu deux fois qui étaient contre nous, donc contre les Français. Est-ce que vous vous êtes dit, ah, franchement, c'est abusé la vidéo? Moi, au contraire, je me suis dit, c'est bien. C'est bien. Je suis pas chauvin comme ça. Bah alors, match amical, je m'en fous, tu vois. Ouais, mais sauf qu'on était dans le tort, entre guillemets. Le premier but, il y a vraiment en jeu. Le deuxième, il n'y a pas en jeu. Donc, j'ai trouvé que c'était contre-culture. Quand il a sifflé et qu'on attendait, que tout le monde attendait, j'ai trouvé que c'était contre-culture. Comme je te disais tout à l'heure, moi, en fait, je suis 51-49. Mais quel côté? Du côté pour, évidemment. En tant qu'amoureux du football, évidemment, j'ai envie que les choses soient justes. Et là, pour le coup, avec la vidéo, c'est clair et net. Maintenant, en tant que footballeur, ancien footballeur, tu peux avoir cette frustration. Cette frustration, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas rentré dans les mœurs. Regarde au rugby, regarde au football américain, tout ça, c'est rentré dans les mœurs. Donc à partir du moment où tout le monde le sait et est habitué à le pratiquer, ça dérange personne. Déclaration d'Antoine Griezmann dans le sens, d'ailleurs, beaucoup de joueurs ont réagi à la vidéo après France-Espagne. C'est chiant parce qu'il faut attendre pour célébrer le but, mais tant que c'est pour aider l'arbitre, tant mieux. Je suis ni pour ni contre. S'ils ont envie de le mettre, ils le mettront. C'est un peu ce que. Non, il n'est pas pour. Non, mais après, non, non. Parce qu'il sortait, il sortait d'une défaite aussi. Et à l'arrivée, il sera très content sur un but où il n'est pas en jeu. Il sera très content de l'avoir. Mais il y a une chose aussi, une question derrière ça que je vais vous poser. C'est est-ce qu'il n'y aura pas une évolution du métier d'arbitre aussi avec ça, où l'arbitre va peut-être prendre moins de décisions à la va-vite en se disant, je suis couvert par la vidéo et laisser jouer une action jusqu'au bout en disant bon en fait il y avait enjeu. Attends, est-ce qu'on va pas charger encore plus les arbitres parce que justement ils vont être désavoués par la vidéo? Ça c'est, tu vois, c'est aussi un sujet intéressant. Ouais, quelque part là sur le match de France-Espagne, tu peux te dire quoi? Oh, les deux assistants ils sont pourris quoi. Parce qu'ils auraient pu changer le cours du match, mais si c'est la vérité. Non mais ça va très vite. L'évolution c'est plus les joueurs à mon avis. Ouais, psychologiquement. C'est plus l'évolution des joueurs qu'on va avoir que l'évolution du corps arbitral, parce que pour le coup tu leur donnes un plus. Mais s'ils sifflent en amont, par exemple l'action de l'Espagnol et que l'Espagnol s'arrête de jouer et ne marque pas de l'Ofeu sur le deuxième but, du coup alors qu'il n'y avait pas en jeu, et il aura sifflé trop tôt et là on va dire l'arbitre n'aurait jamais dû siffler trop tôt. C'est le cas là, non? Mais Thibaut, pour le coup. Non, là ils vont jusqu'au but et c'est au moment du but qu'ils décident. Pour le coup, moi j'ai une vraie question, je te jure après j'arrête là-dessus. Pour le coup, qui est-ce qui décide de faire appel? Parce que c'est une vraie question que je pose, hein, parce que il me semble avoir vu sur le but notamment de Griezmann que c'est tous les joueurs espagnols qui sont venus mettre la pression. Non, l'arbitre a une oreillette et en fait dans le van il y a deux personnes qui donnent les informations. Bon, dans ce cas, oui, forcément. Tout de suite, on vérifie à la vidéo, là il fait le signe un peu comme au rugby. Parce que. C'est le central qui appelle. C'est lui qui doit dire. Donc ça reste son jugement à lui. Exactement. Donc il a quand même son jugement. Ça reste humain, c'est pas un truc complètement robotique. Et il peut infirmer aussi la position de l'arbitre. C'est là que je te dis que ça peut être compliqué. Mais là, on peut passer 3 minutes. Ouais, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu peux payer l'arbitre. C'est ça que tu veux nous dire? Non, ne me fais pas dire ça. Si c'est lui qui décide, il faut que vous preniez en compte certains paramètres. Bon, j'ai eu la chance de vivre en tant que privilégié. Quand tu es sur ma première sélection, par exemple, j'ai eu la chance de jouer au Camp Nou. Il n'était pas plein. Il y avait 50 000 spectateurs. Contre la Corée. Non, mais attends, ça faisait vide. Mais je t'assure que ça faisait vide. Et le mec à 30 cm de moi, je ne l'entendais pas. Donc, l'arbitre qui va arbitrer une finale de Coupe du Monde avec 100 000 autour, la pression médiatique qu'il y a pu avoir tout autour, quand est-ce que je fais appel au truc? Quand est-ce que je ne fais pas appel? Tout est envisageable et c'est ça, peut-être, qui peut faire peur. Après, il y a l'oreillette, normalement, ils peuvent être mis en relation sans que... C'est pour ça que je demandais qui est-ce qui décide. Voilà, si l'arbitre qui est vraiment devant l'ordinateur, là, ou la caméra, ou je ne sais pas quoi, lui dit attention, là t'as fait une erreur, Yassi, là effectivement ça va être très très productif. Mais si c'est lui qui doit choisir, tous les arguments que j'ai donnés auparavant, c'est ce qui peuvent influer la chose. On rappelle quand même que c'est que sur des actions hyper importantes du foot. Donc on dit hors-jeu, péno, tu vois, c'est pas... Il y a un tacle sur un côté, tu vois, on s'en fout. Bon les amis, en tout cas, je sais que je ne réconcilierai pas Thomas et Manu aujourd'hui. Mais le débat, il continue sur les réseaux sociaux avec nous, Twitter, Facebook et YouTube. Allez-y, vos commentaires, car je sais que l'arbitrage vidéo, c'est vraiment là, le sujet du moment. Et on aime en plus parler de ça, nous, fans de foot. Tout de suite, la nouvelle séquence de l'émission depuis quelques semaines. Manu, tu descends! Oh, 45 secondes pour nous parler d'un thème, Emmanuel Moine, aujourd'hui, Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa a communiqué via deux vidéos à destination de ses fans sur Facebook. Alors Hatem, génie ou gênant?
Gênant, très gênant, trop gênant à thème que j'ai pourtant défendu dans cette émission depuis quelques semaines, depuis très très longtemps, trop longtemps peut-être. En tout cas, à thème, Ben Arfa m'a vraiment gêné. Alors je suis gêné moi-même de faire cette chronique-là parce que à thème, Ben Arfa, c'est un garçon au demeurant charmant que moi personnellement, je trouve qu'il est plutôt sincère dans cette vidéo, mais c'est tout le reste. Qui englobe cette vidéo, le montage, la mise en scène, le fait qu'on ait laissé aussi sortir cette vidéo-là qui m'énerve. Comment le Paris Saint-Germain peut se permettre comme ça de ne pas gérer la communication d'un club? Là encore, on en revient au côté institutionnel, mais ça, c'est un peu mon leitmotiv, ça revient chaque semaine. Je vous le présente comme ça. Atem Ben Arfa s'est ridiculisé. Ça, c'est une discussion dans la première vidéo qu'il aurait dû avoir avec son coach. Et c'est pour ça qu'on est gênés, nous, amoureux de football, parce qu'on n'a pas envie d'être pris à témoin ou pris à partie, en tout cas, par ce type de conversation. Juste un petit décryptage, messieurs. Polo va nous caler l'image d'ici quelques instants. Atem Ben Arfa nous parle du banc de touche près des quais de Seine. Je vous regarde ce petit extrait. Et là, on va parler plus communication, si vous voulez. On peut accepter d'être sur le banc si on sait que c'est temporaire ou qu'on peut changer quelque chose. Sinon, c'est comme si c'était une punition. L'allégorie du banc de touche posée sur un muret au bord de la Seine. Voilà comment Atem Ben Arfa parle de son amour pour le Paris Saint-Germain. On a juste envie de lui dire, Atem, tais-toi, travaille, parce que tu es un joueur talentueux qui, moi, je pense, a sa place au Paris Saint-Germain. Mais ne prends pas à défaut et en tout cas témoin tous les supporters qui t'entourent. Et surtout, c'est une très, très, très mauvaise image pour le Paris Saint-Germain. Et c'est aussi une très mauvaise image pour Atem Ben Arfa quelques semaines après la fameuse, devenue tristement fameuse, remontada barcelonaise. Et juste pour terminer, je pense qu'Atem Ben Arfa restera au Paris Saint-Germain puisqu'on va voir dans ce petit extrait qu'il a pris de très très bonnes habitudes. Le football c'est très bien, mais j'essaie aussi de m'ouvrir à d'autres choses, j'ai 30 ans. J'ai la chance d'être de région parisienne, donc j'ai toute ma famille, mes amis ici, donc ça aide. Bon, alors, il a lancé le débat, il est clairement contre. J'ai discuté personnellement avec l'entourage d'Atem Ben Arfa cette semaine. Et je vous le dis, cette vidéo, ils ont voulu la faire exprès pour les fans de longue date et leur répondre à eux. Ils ne voulaient pas s'adresser aux médias. Bon, ils savaient bien que ça allait directement aller dans les médias. À partir de là, ils se sont adaptés, selon eux, au code des fans et ont essayé de faire ça plus ou moins maladroitement. C'est Nawel Madani, son ami, qui l'a ramené à faire de la comédie où il va apparaître à Atem Ben Arfa dans une mini-série très prochainement. Vous pourrez voir ça. Ça va faire parler, c'est sûr. Et du coup, il a montré ses images de soirée, de fête à Atem Ben Arfa qui prépare aussi un film sur sa carrière en entier avec le réalisateur d'Alain Clairefontaine. Sur toute sa carrière, ça sortira à la fin de sa carrière. Et donc ça fait partie de la télé-réalité Atem Ben Arfa. À Jawad, en tant qu'ancien pro, comment tu parles de ça, comment tu juges ça? Je le kiffe en plus, mais vraiment je le kiffe. Et pour le coup, t'es footballeur professionnel. C'est un appel à l'aide, c'est un appel au secours. Mais t'es footballeur professionnel. T'es payé pour venir à l'entraînement le matin et montrer que tu mérites de jouer. T'es pas payé pour autre chose. En tout cas, si tu veux faire de la télé et tout ça, tu le fais, mais dans ce cas, tu dis, là, je parle plus football. Ou tu le fais l'été, pendant tes vacances. Ouais, non, mais là... Mehdi, supporter du PSG, comment tu perçois cette communication en deux vidéos, alors, là c'est ça, en fait. Alors, moi, déjà, rapidement sur le joueur, je trouve que c'est un joueur extraordinaire que j'ai toujours supporté, que j'ai toujours défendu, même dans les moments difficiles au PSG. Pour la petite anecdote, moi, j'avais interviewé Soprano, donc Marseille et qui était très pote avec Eric Abidal, et Abidal lui avait dit Barcelone le joueur le plus fort techniquement que j'ai vu à l'œuvre, c'est pas Messi, c'est pas Zidane, c'est Ben Arfa. Ça m'avait choqué, en même temps c'est pas complètement étonnant quand on voit ce que Ben Arfa est capable de faire techniquement. Donc c'est un gâchis énorme sur la communication. Je comprends pas ce qui se passe, dans le sens où moi je me mets à la place de Unai Emery, je vois ça. J'ai la rage, c'est-à-dire que j'ai pas envie de le faire. Je me dis, mais le vestiaire, je sais pas, Jawad, un de tes coéquipiers avait fait ça. C'est pas Aurier non plus dans le vestiaire. Non, je suis d'accord. Non, mais je veux dire, c'est clairement malvenu. C'est-à-dire que là, tu t'adresses à la France entière et aussi un peu, et aussi même beaucoup, je pense, au coach. Et si tu ne bosses pas effectivement à l'entraînement comme ça semble être le cas, si tu fais pas ce que tu as à faire et que tu fais une vidéo, enfin, tu me prends en otage quelque part en tant que coach, et je trouve ça extrêmement malvenu, et ça ne fait qu'empirer sa situation, à mon avis, au sein du club. Ta question, c'était une de mes premières pour l'entourage de Ben Arfa quand je les ai eu au téléphone cette semaine, c'était mais le timing, pourquoi avoir fait ça? Et ils ont dit, c'est la fin de saison, il est encore très touché par Barcelone, c'est pour ça qu'il réagit à ce moment-là. Ils sont tous touchés par Barcelone. Mais le pire, c'est qu'il n'a pas joué pour Barcelone et que ça va lui revenir comme un boomerang. Cette vidéo va lui revenir comme un boomerang. Comment tu peux gagner autant d'argent et pas te soucier
de qui est-ce qui fait ta communication ? Alors, par rapport à ça, qui fait la communication ? Donc, c'est Nawal Madani qui l'a pris sous son aile pour faire... Mais quelle expérience elle a dans le football ? Non, non, bah, là, c'est la comédienne humoriste. Mais non, mais là, il sort d'une claque où ils ont besoin de gagner les titres jusqu'à la fin de saison. Et après, ils doivent parler. Il a bouclé, c'est tout. Personne ne doit parler avant la fin de saison. Là, tu le sors après Barcelone. Ça veut dire, écoutez, si j'avais été sur le terrain, peut-être que ça aurait fait autre chose. Je joue pas. Alors c'est que normalement, ça peut être compliqué aussi. Exactement. Exactement, et je vais essayer de parler Thomas parce que je sais qu'il a de bons arguments. Non, mais si tu veux, il y a quand même, et c'est moi, c'est là-dessus que je vais insister. Moi personnellement, c'est là peut-être on n'est pas d'accord toi et moi. Pour moi, c'est pas de la faute du joueur, c'est de la faute de son entourage, c'est de la faute du club. Comment Atem Ben Arfa a pu expliquer samedi sur son compte Facebook que cette vidéo allait sortir ? Comment personne au club ne l'a vu ? Non, mais et le club doit être au courant. Dans tous les grands clubs européens, ça c'est. C'était ma seconde question. Paris va-t-il vous mettre une amende ? Paris était-il au courant ? Paris non, n'était pas au courant. Réponse de l'entourage. Si Paris nous met une amende pour une vidéo aux fans alors qu'ils n'ont pas sanctionné Zlatan qui a dit la France est un pays de merde, ouais, qu'ils n'ont pas sanctionné Serge Aurier, seulement 3 semaines d'absence pour avoir insulté l'institution et l'entraîneur, pourquoi sanctionner Atem Ben Arfa ? C'est vrai que ce serait lunaire. Je te jure, je finis là-dessus. Ce qui va dans le sens de qui est-ce qui dirige. Quand tu as un mec du football, on parlait de Leonardo tout à l'heure. Il doit être au courant de tout ce qui se passe. Le mec, quand il dort, quand il se couche, quand il se lève, on se foutait de Giroud. Mais Giroud, il payait des mecs au péage. Quand Djibril allait dans la nage. Mais pas que Djibril, mais tous. En fait, depuis tout à l'heure, on en parle et tout. Moi, je vous dire, je suis affligé comme j'ai jamais été de toute ma life. Même Nice-Na, c'est moins grave. Non, je veux dire un truc. Même Nice-Na, c'est moins grave. Je vous dis pourquoi. Parce que c'était l'équipe de France, qu'ils avaient... Tu sais, il y a eu un élan collectif à Nice-Na. Bref, c'est pas le sujet. Moi, là, à Thème, il est là, à Paris, il réalise son rêve. Enfin, il arrive à bon niveau. Et je te l'ai déjà dit la semaine dernière, moi, un mec qui arrive dès la pré-saison avec 10 kilos en trop, si tu veux, c'était peut-être 3,5. Il est arrivé obèse. Je te dis, il est arrivé obèse. Ça a été l'un des pires sur les tests physiques de début de saison. Unai Emery l'a quand même fait un peu jouer au début. Il n'y avait personne. Il aurait pu s'imposer. Il ne s'est pas imposé. Tout au long de la saison, il n'a jamais su saisir sa chance. Il a joué ou pas ? Il n'a pas fait 22 minutes en cumulé sur la saison. Bon, bref. Diesel, de façon, c'est pas mon problème, ça. Il est dans le top club de France. Il doit s'imposer quand on lui donne. Il n'a jamais su saisir sa chance d'abord. Et maintenant, il nous sort cette vidéo. Ça, c'est une vidéo que je vois tous les matins sur TF1, mon voisin a un secret, là. C'est ce genre de conneries, là. Catastrophique. Produit, n'importe quoi. J'adore. D'ailleurs, il a qu'à le faire, hein. Super acteur. C'est quoi cette vidéo où il est en fait avec sa perruque et tout ça ? Il a joué dans une série style un gars, une fille avec Nawel. Mais il est conseillé de manière catastrophique. Exactement. Il devrait fermer sa bouche, travailler, dire, tu vois, je demande un entretien avec le coach. Unai, j'ai envie de jouer, je vais me donner à 100%, fais-moi jouer. Et là, on aurait rien su et ça aurait été normal. Au pire, s'il a envie de faire passer un message, il y a l'équipe, il y a France Foot, il y a First Team, il a qu'à venir parler et dire à tout le monde, j'ai envie de jouer, je suis hyper motivé. Hein. Là, c'est catastrophique. Est-ce qu'il y a un prompteur quand il parle ? Je me dis, mais attends, t'es sérieux quoi, mec ? Parle, au moins fais des phrases normales. Tout est catastrophique. Je lui ai dit, viens voir la First Team. Il dit, mais j'ai des demandes de partout. C'est pour ça que je fais mes vidéos dans mon coin. Je peux pas satisfaire toutes les demandes. Si, c'est la famille, on va rien lui dire. Je dis, ah, Thème. Là, vraiment, Nawel a dit n'importe quoi. C'est plus trop la famille, là. Mais c'est pas de ma faute. Pourquoi il a fait ça ? Il faut savoir qu'un footballeur. Et ma carrière, malheureusement, parle en ma défaveur par rapport à ça. J'ai énormément d'amis qui m'ont dit « Jawad, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on ne t'a pas vu, vu là-haut. » Mais à un moment donné, j'étais tout seul à prendre les décisions. Et quand tu es tout seul ou que tu es très mal entouré, je pars de Boulogne alors que je viens de mettre 72 buts. Au lieu de faire le bon choix, en quelque sorte, j'ai quelqu'un qui me dit « Jawad, tu es international, tu n'as plus rien à faire en national. Il faut que tu te barres en D2. » Sauf que, voilà, c'était pas forcément le bon moment, c'était pas forcément mon truc. Donc, c'est vraiment un microcosme dans lequel on vit. Et malheureusement, plus tu as du talent, donc forcément, moi, plus les enjeux sont importants et plus c'est là où il faut être super rigoureux. Moi, si j'ai un message à faire passer, surtout aux plus jeunes, c'est entourez-vous le mieux possible.
Et c'est comme ça que vous réussirez vos carrières. Et tu fais bien le dire, parce qu'il y a d'anciens pros que j'ai rencontrés, on ne va pas citer tous les noms. Chialer, Jawad. Mais je te jure qu'il y a d'anciens pros. Moi aussi, j'ai arrêté ma carrière à cause de mon entourage, à cause d'Erwan. Qui se sont recyclés dans justement le fait d'accompagner les joueurs sur la gestion de leurs réseaux sociaux. Et ça, à mon avis, c'est un métier d'avenir pour les jeunes qui n'ont pas de travail, qui nous regardent. Messieurs, mais lancez. Non, mais sérieux, il y a du boulot. Il y a du boulot, je te jure qu'il y a du boulot. On va dire que c'est un Pôle emploi. Alors, je voudrais faire la com sur les réseaux sociaux des joueurs. C'est un boulot pour les anciens footeux, par contre. Et c'est un boulot pour les anciens footeux, tout à fait. Après, on parlait un petit peu en antenne tout à l'heure, on parlait de la sincérité d'Athan Ben Arfa. Et alors, évidemment, c'est de la com, mais je pense que l'histoire plaide en la faveur d'une certaine sincérité, l'histoire d'Athan. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez fragile et finalement qui supporte assez mal la pression. On l'a vu dans sa carrière, c'est-à-dire qu'à Nice, c'était extraordinaire, c'était la star, il était chouchouté, etc. À Paris, c'est un top club européen et où il doit y avoir de la concurrence. Ça n'existe pas un club où tu arrives comme ça, en plus avec un petit peu de surpoids et où tu as ta place, c'est normal de se battre. Voilà, non, mais bon, après, c'était pas non plus une barrique, faut pas déconner. Mais je suis d'accord, enfin, c'était pas pro. Mais pour son jeu, il peut pas se permettre. Pour son jeu, il doit être au top physiquement. Il est arrivé à la Juve avec c'est un vrai. Bid aussi cet été et il fait une belle saison. Il a eu de la chance, mais si Athan veut prendre du bid, il va faire comme tous les mecs, il joue 6 et puis il met des tacles. Hein. Et là, il peut avoir du bid. Hein. Je pense qu'il y a de la sincérité et que c'est quelqu'un qui peut-être supporte mal la pression. Ce que je comprends, c'est que la pression elle est énorme, mais du coup ça pose un problème au PSG. Il a besoin d'amour, Ben Arfa. Enfin, ouais. On n'invente rien, ça a été dit, redit, etc. Sûr, ouais. Et là, quelque part, c'est la preuve qu'il n'a pas l'amour dont il aurait besoin, mais il ne l'aura jamais dans un grand club, cet amour-là. Ouais, complètement. Si, il peut l'avoir dans un grand club. Il peut l'avoir quand c'est le club, quand c'est le coach qui le met en place et qui dit écoutez, lui là. Si vous faites ce qu'il faut, comme Neymar par exemple en sélection, si vous faites ce qu'il faut, que lui aussi fait ce qu'il faut, vous allez voir comment. Deux choses pour finir, je lui ai demandé s'il restait à Paris en fin de saison. Ils m'ont dit même si Unai Emery est là, Athem sera là cet été, il sera à Paris la saison prochaine. C'est une phrase de mars 2017, ça vaut ce que ça vaut pour dans deux mois, parce que c'est dans le foot. Donc c'est la première chose. Et seconde chose, sachez qu'en effet, c'est vraiment un bon gars, Mehdi l'a dit. Athem Ben Arfa, c'est un gars bien et c'est surtout pas le mec bling-bling que certains voudraient que ce soit. C'est pas un nighter, c'est pas le bling-bling Lamborghini ou c'est pas Benzema, ça n'a rien à voir non plus. Non, non, mais. Benzema, si tu nous entends. Non, mais je kiffe Benzema, mais c'est un autre profil. Ne les mettez pas dans le même panier ou quoi, ça n'a rien à voir. Et juste, il y a quand même un truc inquiétant. Il y a une phrase inquiétante dans la deuxième vidéo où il explique j'adore ce que je fais ici, j'ai l'impression de jouer comme quand j'avais 12 ans, à faire des passes, des petits ponts et tout, etc. Déjà, ouais, t'es pro. Tu sais très bien qu'on n'est pas dans le même état d'esprit que quand on a 10 ans et qu'on joue avec la balle en mousse avec les copains, quand on est dans un club professionnel, et d'autant plus au PSG. Le plaisir n'est pas le même. C'est quoi les top players? Ça nous a posé la question sur Internet. Les top players, c'est justement ceux qui réussissent à faire ce qu'ils faisaient dans leur square en étant gamin au plus haut niveau. Mais tu penses qu'ils ont la même approche que quand ils allaient au square, quand ils vont à l'entraînement? Tu peux pas avoir la même approche, forcément. Mais à partir du moment où tu as cette facilité-là, parce que c'est vraiment une facilité et un don, et c'est pour ça que je dis que Athem Ben Arfa, que je kiffe et surkiffe, ce mec-là, il a besoin d'être dans une équipe où l'entraîneur dit d'abord c'est lui. Et après l'équipe. Donc il aille dans un club moyen. Voilà pour ce. Non, à Paris, il serait parfait. Voilà pour ce Manu, tu descends, Athem Ben Arfa, génie ou gênant. On va s'amuser avec vous tout de suite, c'est l'heure des quiz. Allez, c'est parti, les amis. Deux teams. À ma gauche, Je suis venu pour ça. Ouais, les teams, venu pour ça. Il est chaud, patate. Tout à l'heure, vous m'ennuyez avec vos bêtises d'arbitrage. Je suis venu pour le quiz. Ça veut dire qu'avec Mehdi, ça fait 16 ans qu'on fait des quiz ensemble. Hein. C'est vrai. Ils sont très, très chauds. À ma gauche, j'ai des chauds bouillants. Ils ont été révisés à Pattaya. Ils sont allés dans le monde entier faire des quiz. Ils ont des titres internationaux qui vous ramèneront, qui vous montreront sur les réseaux sociaux. Ouais. Mehdi Maizi, Thomas Dufan contre Jawad El Hajri et Emmanuel Moine. On commence avec le premier quiz. 5 questions. Formez-vous, vous me trouvez où le joueur a été formé. Si je vous dis, facile pour commencer, le milieu offensif et attaquant de Bastia, Alan Saint-Maximin. Non. Un point. Ah oui, si, t'as raison. Un point, bonne réponse. Si vous déjugez entre vous. Non, c'est pas ça, non, excuse-moi, non. Bonne réponse de Jawad El Hajri, 1-0 à ma droite. Si je vous dis, il joue en équipe de France Espoir, il s'appelle Clément Langlais, il joue à Séville désormais. Nancy. 2-0 pour mon côté droit. Je ne sais même pas qui. Ouais, j'ai 16 ans. Si je vous dis autre espoir, il y a une semaine de trêve internationale, c'est pour ça que je suis sur les espoirs. Et Sébastien Haller qui joue aux Pays-Bas. J'ai entendu Auxerre qui vient de ma droite. 3-0, le match des Forméo est déjà plié. C'est foutu. Bravo, merci. J'ai mis quelques passes d'écart. Ça fait 7 secondes, mais on est chaud. On va finir avec les deux derniers Forméo.
juste pour le plaisir du jeu, le plaisir de 1-2 de la passe. Le latéral international monégasque Djibril Sidibé a été formé où? Il est chaud. Et enfin, on va partir à l'étranger pour voir s'il est aussi chaud à l'étranger. Le défenseur madrilène Sergio Ramos. Ça fait 4-1. 4-1, il sauve l'honneur. Bravo. Sauve l'honneur. Merci d'être venu. Vous pouvez vous racheter. Et on va rentrer à Phuket comme des stars. Mehdi, Thomas, vous allez pouvoir vous refaire dans le second quiz, le quiz lieu de Coupe du Monde. On a fait les buteurs, on a fait les passeurs, on a fait les footballeurs. Lieu de Coupe du Monde. Je ne vais pas aller trop loin pour commencer, pour vous échauffer. Si je vous dis la Coupe du Monde, une petite particularité là quand même, la Coupe du Monde 2002. Japon. Ça vient de ma gauche, ça vient de ma gauche. Bonne réponse. Victoire de qui? Victoire de qui? Arbitrage vidéo, s'il vous plaît. Victoire de qui? Question subsidiaire. Premier, donne-moi le point. Le Brésil avec la Coupe de Ronaldo. Exactement. C'est tout ce qu'il faut retenir. Petit message d'Erwan. Ça fait 2-0, là. Qui vous embrasse, les amis. Ça fait 1-0. La Coupe du Monde, le lieu de la Coupe du Monde 1978. Argentine. 2-0. Argentine. Et il la gagne d'ailleurs. Qu'il la gagne. On pourrait donner peut-être des demi-points pour derrière mérite, ça enchaîne. 2-0, 5 questions toujours. 2-0 pour le côté gauche, Thomas, Mehdi. La Coupe du Monde 1934. Uruguay. Ou France. C'est faux. C'est Italie. Oh, bon, Italie, Maizy. On a déjà gagné. 3-0, la revanche est là. Bah, pareil, on ne regarde pas l'iPad. Hein. C'était une victoire de l'Allemagne. Il y a que le voleur qui a peur d'être volé. Donc, je vais me méfier, là, si tu n'as pas regardé l'iPad. Je vous donne deux lieux à nouveau. On continue juste pour le plaisir. Il y a eu 3-0, mais on continue 1966. Angleterre. 4-0, il faut sauver l'honneur. Avec les buts. Qui gagne, ça aurait été bien d'avoir la vidéo. Exactement, sur un but. Sachant qu'on ne sait toujours pas s'il y a but ou pas. Exactement. Et pour finir, 1958. France ? Non, c'est Suède. Suède. Bonne réponse. C'est ça. Suède, c'est Pelé. Ça passe. C'est Pelé. Le Brésil gagne. C'est leur première Coupe du Monde. Blessé, Pelé, quand même. C'est sa première Coupe du Monde. La France perd 5-2, je crois, contre le Brésil. En demi-finale, exactement. On dirait que vous l'avez vécu, cette Coupe du Monde. Une VHS. On a bourlingué. Allez. Sors l'iPad, là. Les amis, attention, Paul Pogba est là, car Paul Pogba va être gagné. Il y aura les résultats du concours en fin d'émission, j'ai oublié de le dire en début d'émission. C'est pas ceux-là, mais c'est pas ceux-là. Ça, c'est des faux. Ils viennent de Chine. Il y a les vrais. C'est pas des faux, c'est ma déliance. Qui suis-je? On termine les quiz avec le qui suis-je, le traditionnel qui suis-je. Il faudra que tu viennes me voir, je ne sais plus si je les ai tous en tête. Bref, peu importe. C'est un footballeur italien né en 1960. J'ai joué dans un seul et unique club dans ma carrière. Maldini. Le Milan AC. Ouais. Mais c'est pas lui, non. C'est pas lui. Baresi, les gars. Baresi. Et ouais, défenseur central, libéro. Le numéro 6 a été retiré du club. Il a été redouté et redoutable, l'un des meilleurs défenseurs centrales du XXe siècle, Franco Baresi. On reste en Italie. Autre joueur, né le 12 juillet 73, aujourd'hui à la retraite. Il fait 1m86. Il a grandi en Australie. Son père a joué pour l'équipe d'Australie. Lui a choisi l'Italie après avoir fait des années du cricket. Il côtoiera Zidane, Del Piero, la France en 98. Et il jouera même au Stade Louis II pendant une saison, me semble-t-il. Bernardo. Non, il est italien. Panucci. Il est italien, il est attaquant. Il est attaquant. Vieri. Il est avec un Australie, lui. Vraie info. Polo, viens me voir, je me souviens plus du dernier qui suis-je. Je te jure. Mais c'est attention, c'est des trucs de là, non? C'est des trucs. Allez, balance et je joue avec. Balance les clubs et je joue avec les gens. Tu peux dire ou pas? Ah, il est là, Polo. Il est là, la famille. Parlez en même temps. Ouais. C'est marrant parce que tu. Ah, bon voilà. Je les aurais repérés. Merci, Polo. Ça, c'est du direct. Ça, c'est du live avec vous, les amis. Alors, c'est reparti avec. L'oreillette vivante. L'oreillette, elle est mytho, en fait. Elle est grosse, elle est très grosse. C'est une grosse oreillette vivante. J'ai pas compris son arrivée. Allez, c'est reparti avec un joueur qui a fait carrière en France, qui est gaucher, qui est né au XXe siècle. Bretagne. Pedron. Pedron. Attends. Oh, Stéphane Pedron, avant qu'on affiche les clubs, il a déjà trouvé Stéphane Pedron. T'as trouvé Stéphane? Il est très fort. Attends, gaucher, il n'y en a qu'un seul dans l'histoire du foot. Non, il y avait Pochignon aussi. Ah ouais. Casio PSG. Alors, on continue. Bravo, Tom. On continue avec le dernier. Qui suis-je? Ce joueur a joué en France, mais a évolué dans énormément de clubs. C'est un joueur qui est passé par la Belgique, l'Italie, l'Angleterre. Mido.
Oh, oh Mido, bien vu. L'Égyptien Mido, en effet, qui a joué plus au public marseillais. Il a changé, il fait très très chaud. Oui, il a changé, ouais. Oh, c'est-à-dire il en fait deux. Il a changé le rap de Tiki Resto, tu vois, dans son dernier club. Et... Bon, les amis, merci en tout cas d'avoir suivi le First Talk Foot, la 7e édition. Si ça vous a plu, c'est comme avec les humoristes, vous allez sur Billard Éduc et vous mettez des commentaires, vous dites si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, on en discute. Et avec grand plaisir, en tout cas, merci d'avoir été là. Le débat, c'est la vie. Donc, on poursuit ce débat dans la vie sur l'arbitrage vidéo avec grand plaisir. Les Poupluches, celles qui étaient là et d'autres sont à gagner. On doit avoir les vainqueurs qui ont été tirés au sort par maître Polo Harer. Ouais, Polo, vas-y, envoie. Donc, il y en avait un sur YouTube, un sur Facebook. Milanais, 14 000 à remporter. Antoine Griezmann. Ça, c'est sur Twitter. Comment incroyable, monsieur D&D Anthony. Et Manu sur Facebook a gagné celle de Griezmann lui aussi, donc bravo à vous. Merci, vous allez nous envoyer votre adresse en message privé, on va vous envoyer votre petite pupluche. Super, bravo à vous, en tout cas les trois gagnants. On se retrouve lundi pour les matinales, tous les matins sur la NBA, le First Talk, le NBA First Talk, lundi également pour le compte-rendu des news NBA, et puis comme d'hab, le contenu qui arrive sur la chaîne l'émission sportive, la First Team. Merci les amis. Merci. À très vite. On est bien ici. Hein. Tu reviens quand tu veux.